Salut à tous, c'est Cyfix. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 Online 1.50 pour une toute nouvelle tenue modée 5 codage cette fois-ci. Et pour la première fois sur GTA, je vais vous présenter une tenue modée de policier. Car il y a enfin, depuis le tout nouveau DLC braquage du casino, les tenues de policier. Alors, pas celles qui sont bleues, mais celles qui sont un peu beige-grise, celles qui viennent un peu du désert, donc du pénitencier, de la prison. Mais au moins, c'est déjà ça, car il y a au moins des tenues de policiers. Du coup, je vais vous présenter une tenue policier modée et bientôt sur la chaîne, il y aura des tenues policiers modées avec codage. Elles seront magnifiques, vous verrez. Donc, du coup, pour commencer le glitch, vous aurez besoin, bien sûr, d'avoir la salle d'arcade pour faire les missions de préparation, les préliminaires et les braquages pour débloquer la tenue de pénitencier. Donc, celle-ci que je porte, il y en a 4 de différentes. Donc, vous devez faire les préliminaires pour la débloquer. Pareil pour les autres tenues. Donc du coup, vous allez la prendre. Donc celle que je porte en ce moment, je vais vous montrer laquelle c'est. Donc moi, je suis dans mon appartement, mais vous pouvez le faire dans un magasin de vêtements. Donc vous allez dans les tenues, dans les braquages du casino, gardien de prison, et moi j'ai mise l'austère. Donc on a celle-ci, celle-là de couleur grise à manches courtes, beige à manches courtes, et la grise avec les manches longues. Donc moi, j'ai mis celle-ci, la grise avec les manches longues, donc elle s'appelle l'austère. Une fois que vous aurez débloqué, vous les aurez bien sûr gratuitement. Vous n'aurez pas besoin de les payer. Donc vous mettez celle-ci, l'austère, une fois leur ami. Vous rentrez maintenant dans les pantalons. Et dans les pantalons polyvalents. Et vous mettez le tout dernier, le pantalon de braquage noir. Donc vous mettez, et comme vous voyez, j'ai toujours le haut de la tenue avec la ceinture de flic. Donc c'est ce qui rend la tenue magnifique, vu qu'on peut changer le pantalon. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et on garde toujours le haut de la police et la ceinture. Donc moi j'ai mis des gants, les gants de laine noirs. Et ensuite je vais juste enlever la paire de lunettes et la casquette vu que je vais mettre un masque par la suite. Et puis bien sûr après vous pouvez sauvegarder la tenue à l'emplacement que vous voulez. Voilà, une fois l'avoir sauvegardé, vous allez vous rendre maintenant au magasin de masques et je vais vous présenter les tout nouveaux masques du DLC en même temps. Donc du coup, une fois magasin de masques, vous vous rendez bien sûr dans les masques de braquage du Diamond Casino. Et moi pour ma part, je vais mettre le tout premier, donc le clin d'œil 2 sur 104. Moi, je vais mettre celui-ci. Mais là, du coup, je vais mettre un musique vite fait pour vous présenter les nouveaux masques en rapide. Si vous voulez voir de plus près, vous avez qu'à mettre sur pause ou mettre la vidéo au ralenti. A tout de suite. Et me revoilà de nouveau là. Et maintenant sur ce, vous prenez ce masque là et vous le sauvegardez à l'emplacement de tout à l'heure. Et du coup maintenant vous allez dans les chapeaux. Et vous allez dans les chapeaux du braquage Diamond Casino. Et vous prenez le même commande, donc c'est-à-dire celui-ci. La lunette vision nocturne Soge. 8 sur 59. Vous l'achetez. Vous ne la sauvegardez pas. Vous remettez le masque que vous avez mis tout à l'heure, et vous vous rendez à un télescope, celui de la plage ou votre appartement. Et donc, vous courez devant le télescope tout en spammant la flèche de droite, votre masque va s'enlever. Vous allez ouvrir le pavé tactile, aller dans style accessoire, et vous mettez la lunette vision nocturne que vous avez acheté tout à l'heure, donc celle-ci, la nocturne Soge, vous la mettez, vous éloignez, et vous aurez la vision nocturne qui est buggée, qui va apparaître avec le masque, et comme vous voyez, elle est bien buggée. On n'a plus la cagoule noire qui est avec. Et donc du coup, vous pouvez aller la sauvegarder où vous voulez. Donc en tout cas, ça ne marche pas à votre appartement. Si vous sauvegardez la tenue avec ce masque et cette vision nocturne, les deux mélangés, ça ne marchera pas à votre appartement. Vous devrez le sauvegarder à un magasin de vêtements ou au magasin de masques. Et donc maintenant, si vous voulez mettre le sac de braquage jaune sur la tenue,
Je vous invite à aller voir la description car j'aurai mis le lien de la vidéo qui vous montre et qui vous explique comment avoir le sac des braquages de couleurs. Donc principalement le jaune, mais ça marche aussi avec le rouge et le bleu. Mais moi j'ai fait celui avec le jaune. Donc du coup je vous mettrai le lien en description. Et donc, du coup pour le transférer, vous allez prendre un hélicoptère ou une oppressor. Vous allez vous rendre au-dessus de l'eau, assez haut, devant, pile devant le magasin de masques. Vous boostez et tout en boostant, vous sautez de l'oppressor ou de l'hélico. Vous ouvrez vite le parachute. Et donc là, vous devrez atterrir pile devant le magasin de masques. Et dès que vous aurez atterri devant, vous allez devoir spammer la flèche droite pour que vous puissiez sauvegarder la tenue avec le sac. Donc là, du coup, dès que vous avez atterrissé juste devant, comme mon écran, dès que vous atterrissez, là, vous commencez à spammer la flèche droite, vous spammez, vous spammez, vous spammez. Et donc là, vous sauvegardez la tenue à l'emplacement que vous voulez. Donc du coup, là, maintenant, vous allez réouvrir le buffet tactile, aller dans style et vous resélectionnez la tenue qui porte le sac. Et comme vous voyez, vous avez bien le sac sur la tenue. Donc moi sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. C'était SizeFix. Salut tout le monde. Peace. Contrat